Eh bien bonjour à tous, donc c'est Piggle, et on se retrouve pour une vidéo IRL, la FAQ, où je vais répondre à toutes les questions. Oh. Enfin du moins presque toutes les questions, hein. Puis il y a du reflet dans mes lunettes. De où vient ce reflet? Oh, de mon ordinateur. Bah, je vais baisser un peu la luminosité. Ah, c'est mieux, voilà. Je vais quand même en mettre un peu, sinon je vois que dalle. Bon bref, parce que voilà, j'ai des questions devant les yeux quand même, hein. Je ne fais pas ça comme ça. Blablabla. Bref, donc FAQ, bah, je vais commencer tout de suite hein, parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps sinon. Donc tout d'abord voilà, hein, déjà je suis dans mon nouvel appartement. Donc j'ai emménagé et tout, voilà. C'est pour ça que c'était voilà, j'étais pas très présent. Ça fait ça fait un mois que j'ai pas joué à TF2, ça fait un mois que voilà, j'avais pas internet à part le week-end. Puis encore je ne pouvais pas jouer. Enfin je vous expliquerai ça dans la vidéo. Mais voilà. Donc déjà. Pour commencer, tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai trouvé vos questions très sérieuses et tout. Non! Enfin, presque tous sérieuses. Bon, je vais quand même répondre à celle-là, hein, ne vous inquiétez pas, mais je le ferai pendant la vidéo. C'est-à-dire pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Alors, bon, première question de Billy Boy. Billy Boy 80-96. Alors, comment as-tu appelé ça, foire aux questions, c'est Frequently Asked Question. Question 2. Alors, bon, déjà, je vais répondre à celle-là, enfin, à la question 1. Je peux pas, hein, répondre à tout en même temps. Alors, bah, parce qu'en fait, j'ai un anglais tellement nul que je ne vois pas prononcer cette chose. Frequently Asked Question. Bon, bref, je préfère foire aux questions, c'est plus. Ça coule plus facilement dans ma gorge. Vous voyez rien d'obscène à ça. Bon bref, alors, question numéro 2. As-tu un gros zizi qui te parle dans ton oreille gauche le soir? Parce que moi oui. Ben en fait, oui, le mien. Mais en général, je m'arrange pour l'orienter plus vers le bas, tu vois. Pas qu'il me touche ma figure, tu vois, ça, c'est pas très agréable. Bref, alors ensuite, troisième question, quelle est ma config? La voilà. Alors déjà, voilà, bon. Ensuite, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé la question, une question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi Piggle? Voilà, pourquoi je m'appelle Piggle? Donc voilà, de Omega Melon, qui a dit pourquoi ce pseudo, ainsi que d'autres, par exemple, Zenzer et David Joliquin. Voilà. Ah non, pas David Joliquin. Non, non, pas David Joliquin, mais Zeiser. Bon, voilà, bref. Alors, bah déjà pour commencer, pour ce pseudo, par pitié, ne tapez jamais Piggle dans YouTube, d'accord? Hein? D'accord? Bon, je vous rassure, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de là. C'est une coïncidence et ça me déplaît fortement. Bref, alors, donc en fait, la vraie histoire, c'est en fait, je me suis dit, porc, ça se traduit par pig en anglais, ça fait piggy, piggle, voilà, c'est ça. Non, je rigole encore, plus sérieusement, en fait, la vraie histoire, donc plus sérieusement, c'est que je cherchais un pseudo assez marrant, enfin, pas trop sérieux, et puis, un pseudo pas trop sérieux, quoi, en gros. Et un jour, j'ai joué à un jeu, un jeu. Un jour, j'ai joué à un jeu avec mon cousin, un jeu qui s'appelait Piggle. Bon, c'est pas un jeu ultra épique, mais il est quand même assez sympa. Vous aurez qu'à aller voir sur Google si vous voulez, mais sauf que c'est Piggle avec un E. Voilà. Donc je trouvais ça sympa, que ça se prononçait plutôt pas mal. Et je me suis dit, bah, je vais mettre. Enfin, déjà, ça fait un peu à la Louzou Pognon. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça faisait assez sympathique. Bref, du coup j'ai mis un i, voilà, pour me différencier un peu du jeu. Bref, voilà. Ça n'a rien à voir avec les porcs ni les Teletubbies qui dansent tout nu, voilà. Alors. Alors ensuite, Zeiser, il m'avait aussi posé la question, quel est le chapeau que tu. Qui te fait le plus envie, hein? Et David Joliquin m'avait demandé l'unijol de tes rêves. Voilà, donc je fais les deux questions en même temps, puisqu'ils se rejoignent.
En fait, le chapeau de mes rêves, c'est un Unusual, déjà, hein. Et je ne sais pas trop lequel. J'aimerais bien, bien sûr, le chapeau que j'ai de Soldier, hein, avec effet électrique et tout. Enfin, je sais pas trop en fait. Je vais vous mettre une image, je vais chercher un peu. Je vais vous mettre une image. Voilà. Ça serait lui, je pense. Et ou sinon, un Unusual avec un effet vraiment très classe et qui serait old class. Voilà. Comme ça. Bon, ça c'est rare et ça coûte cher un peu, c'est une nouvelle classe en général. Bon. Alors, ensuite Valentin 648. Déjà GG pour les T500 abonnés, merci. Bon, maintenant je suis presque à 600, hein. Vu que en fait, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Alors, pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur TF2? Donc, ça, il y en a deux qui m'ont posé la question aussi, hein. Je les mettrai, voilà, enfin, à peu près la même question. Bah j'ai commencé à faire des vidéos TF2 parce que c'est bien. Non mais en fait j'avais pas de but particulier, je voyais qu'il y avait pas énormément de monde et c'est mon jeu préféré, j'ai envie de dire. Donc voilà, je me suis mis à faire des vidéos. Au début c'était voilà comme ça. Puis après je me suis dit pourquoi pas faire carrément des séries et tout. Enfin voilà, en tout cas. Et c'est aussi pour gagner du fric. À ce qui paraît, on en gagne beaucoup. C'est genre 15 000 euros par mois, tu vois le salaire et tout. Non, je rigole, bien sûr, c'est évidemment pas pour les sous, hein. Je ne gagne absolument rien, hein. Bien que je mette des pubs au cas où il y aurait une vidéo qui ferait 1 million de vues. La blague. Non, mais sérieusement, je ne gagne pas un rond pour l'instant, hein. Donc, c'est pour ça. Il y en avait aussi un d'ailleurs qui m'avait demandé si j'allais ouvrir un serveur TF2, hein. Je voudrais bien, mais j'ai pas de sous en fait, je suis étudiant. J'ai pas encore de paye ni rien. Et c'est assez cher. Mais sinon, je voudrais bien. Ouais. Donc, si je gagne un peu de sous grâce à YouTube, bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, bonne continuation. Merci à toi. Ah oui, non. J'ai oublié un truc. Alors, il a dit autre chose dans ces trucs. Alors, où habites-tu? Bah, j'habite en France. Non, plus précisément, j'habite en Picardie. Voilà. Et dans la Somme. Voilà. Vous savez tout. Alors, et quels sont les prochains projets pour la chaîne, s'il y en a? Non, mais ça, je vais y répondre un petit peu plus tard. Voilà. Alors, ensuite, question de Benoît. Benoît avec deux i. Aimes-tu le cochonou? Bah oui, comme je l'ai dit juste avant, mon pseudo vient de porc, pig, piggy, piggle. Tout est lié. Bon, voilà. Ensuite. Alors, question de eMonster878. Que penses-tu des enfants qui jouent à TF2? Bah, ça me sert de farm, tu vois. Ça permet d'augmenter plus facilement nos séries de victimes sur les caisseries. Pas mal, hein? Non, encore une fois, plus sérieusement, bah, je sais pas, qu'ils y jouent, je m'en fous, tant qu'ils gueulent pas dans le micro et que ça me casse pas les oreilles. Au pire, je les mute. Voilà. Et puis ça fait vivre la chaîne de Rexy. Alors ensuite, The Ninja, pourquoi t'as créé une chaîne YouTube? Hé, elle dit le misère, pourquoi as-tu commencé YouTube, hein? J'y ai répondu tout à l'heure. C'est comme ça, pour absolument rien, parce que j'aime bien, c'est sympa d'être youtubeur et d'avoir un peu de. Et que les gens aiment bien ce qu'on fait, et puis voilà, et puis c'est marrant, voilà. Bref, Martin Jazei, tu nous montres tes stats, ton inventaire? Alors, bah pour voir mon inventaire, tout simplement, mon profil est public, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez voir mon profil. Et en parlant de ça, je voulais vous dire un truc, c'est que déjà, je n'accepte plus, là, voilà, on a passé les 500 abonnés, je n'accepte plus les demandes d'amis sur Steam. Voilà, j'ai créé un groupe Steam pour l'instant qui m'a pas encore servi. Mais normal, ça fait un mois que je n'ai pas joué à TF2, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, si vous voulez avoir mon inventaire, allez dans mon groupe Steam. Si vous voulez me rejoindre dans une partie quand je jouerai, allez dans mon groupe Steam. Vous allez sur mon profil, et comme il est en public, vous cliquez sur rejoindre. Donc, pour voir mon inventaire, c'est comme ça. Et ensuite, les stats. Et ben, je vais les afficher à l'écran. Tout de suite. Petite musique épique, s'il vous plaît. Voilà. And now he's here to talk. Ask. Gentlemen, 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 gentlemen. And now he's here to talk.
Alors, Grégoire Olivard, combien d'argent as-tu dépensé sur TF2? À tout casser, j'ai dû dépenser 5 euros. Lol. Non, c'est vrai en plus. Là, c'est vraiment pas une blague. J'ai vraiment dépensé que 5 euros. Donc, comment j'ai fait? Bah, je joue. Voilà, hein, je drop des trucs. Je fais beaucoup d'échanges. Enfin, je fais des échanges. Et si vous gagnez, genre, je sais pas, un rake à chaque échange, bah, vous finissez par gagner. Par être. Voilà. Bien sûr, je n'arnaque pas les gens volontairement. Hein. Les gens savent qu'ils mettent un peu moins cher. Hein, mais c'est parce que si par exemple je voilà. Hein, bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. J'achète, voilà. Par exemple, j'achète les objets en général un petit peu moins cher. Mais les gens savent le prix et tout ça. Hein, je vous rassure. Donc voilà. Ensuite. Une personne m'avait demandé. Alors attention, la meilleure question de la FAQ a été. La meilleure question de cette FAQ a été décernée à Antoine Cador. Pourquoi? Pourquoi bien? Parce que. Alors. Question de Steven Roucou. Possèdes-tu un vagin vaginivore? Alors, le raton laveur, vidéo gameplay avec tes abonnés? Bah, pour l'instant, c'est pas prévu. Je ferai peut-être, j'organiserai peut-être ça par la suite. Mais voilà. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre quand je joue. Je vous ai dit grâce au groupe Steam. Et puis de toute façon, quand je ferai vraiment que quand je voudrais jouer avec mes abonnés, je vous mettrai. Sur le groupe Steam, toujours, hein, qui sera dans le lien et tout, je vous l'afficherai là, voilà, si je peux. Voilà. Alors, question de Copernic. Est-ce que la Terre est ronde? Non, c'est pas ça. Voilà, petite blague sur son truc nul. Bon, voilà, bref, c'est nul. Alors, t'es en quelle classe? Bah, en fait, je ne suis plus dans une classe, je suis étudiant. Oui, effectivement. Merde, putain, je. Bon, bref, voilà. Je suis. Donc j'ai quel âge? Eh bien j'ai 18 ans. Tout pile en fait, voilà, j'ai 18 ans tout pile. T'es en quelle classe? Donc j'ai toujours pas répondu, je suis à la fac de médecine. T'es quel âge, hein? Depuis combien de temps tu joues à TF2? Bah ça fait. Attends que je réfléchisse. 3-4 ans que je joue à TF2, 3 ans en fait, 3 ans et demi, je sais pas exactement. Bon j'avais fait une pause peut-être un moment, mais sinon ça fait 3 ans, voilà, on va dire 3 ans. Voilà tout le Picard, oui je suis Picard comme j'ai dit, certains le savent déjà. Et sinon, pour revenir à la fac de médecine, c'est surtout pour ça, enfin déjà je suis dans mon appart et tout, donc j'avais pas internet jusque-là. Donc voilà, et c'est surtout pour ça que déjà le rythme de vidéo va grandement est diminué, déjà vous l'avez peut-être vu là, que j'ai pas fait de vidéo, que je peux pas jouer, que je ne joue pas, que j'ai plus de vie parce que je suis en PACES. Donc oui, médecine, je sais pas si vous savez, mais le rythme de travail est absolument énorme. C'est-à-dire que c'est un concours, hein. Donc déjà c'est les bons élèves qui vont en médecine et c'est beaucoup de bons gens, voilà, c'est beaucoup de gens assez forts, plus forts que moi et tout ça. Et au concours, il y a que 200 places et on est 1500. Donc autant vous dire qu'il faut bosser comme un malade si on veut l'avoir. Et je veux l'avoir, donc voilà. J'ai plus trop le temps, je révise tout le temps. Non, mais sérieusement, voilà, c'est vrai. Quand je ferai des vidéos, ça sera un soir, de temps en temps. Je m'y mettrai, je ferai des petites vidéos. Enfin, je veux dire. Voilà, hein. Je pourrais pas m'y investir totalement dans YouTube. Ce sera comme ça, de temps en temps. Enfin, je vais pas m'arrêter, hein. Puis l'année prochaine, si je l'ai. Puis même pendant les vacances de Noël, voilà, il y en aura plus déjà. Bref, vous savez tout sur moi. C'est le but de la FAQ. Bon, j'espère que ma tête ne vous déçoit pas trop. Ah, ouais que non. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Alors, ce que je préfère, ce que je préfère, ce que je préfère. Alors, Jano 022, ton arme préférée, y compris les armes de base. Mon arme préférée, bah. Dans les armes de base, bah. En fait, j'adore toutes les armes de base, quasiment. Ouais, y a pas à dire. Les armes de base sont vraiment géniales dans TF2, hein. Sinon j'ai pas vraiment d'arme préférée en fait, hein. Je suis vraiment un joueur assez mixte. Bah, je vais vous dire pour des moments je joue
Bon, en fait, j'ai une idée. Je vais vous mettre là tout de suite des images des sets d'armes que je joue le plus souvent. Voilà, des trucs typiques. Voilà. Mais sinon, je change hein, quand même. Je joue pas tout le temps ça. Hein, mais je veux dire, c'est ce que je joue le plus fréquemment. C'est ce que je préfère. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Alors, ensuite, dans les questions sur ce que je préfère, quelles les classes que tu joues le plus? Si d'accord, montre-les nous avec tes accessoires du personne. Perso des os. Bon, d'accord. Bon, bah justement, voilà, je vous les ai montrés. Ils sont toujours affichés d'ailleurs. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Bref, voilà. Bon, donc voilà. Sinon, ma classe préférée, c'est le soldier. Hein. Et la personne suivante. La personne suivante, eh ben, l'a déjà remarqué. Karen Kijio. Pourquoi le soldier? Bah, attention. Petite réponse en image pour ça. Pourquoi lui avoir mis ce hat et ce misc? Bah, en fait, c'est un des premiers sets que j'ai fini totalement, tu vois. Tu vois, je te tutoie et tout direct. Bon, bref. Un des premiers sets que j'ai fini, ouais, parce que voilà. Avant, j'avais pas beaucoup d'items, hein. C'est venu comme ça, vraiment petit à petit, franchement, voilà. Et c'est tout. Puis après, j'ai voulu le peindre et j'ai. Enfin, évidemment, c'est un moment qui réfléchit à ce set-là, hein. C'est pas comme ça non plus, pur hasard, hein. Parce que j'ai trouvé absolument classe, drôle, et voilà, ça reflétait vraiment bien l'image Piggle, enfin j'espère en tout cas, le nom Piggle en tout cas, enfin le nom, au moins. C'est-à-dire que c'est un personnage que je trouve qui fait pas trop sérieux, tu vois, ça fait vraiment Soldier, Trollier, je veux dire. Ça fait continuellement Trollier. Sinon, bravo pour les 500, merci, merci, continue comme ça, merci, merci. Alors, ensuite, dans ce que je préfère, bah, Yann Boucher m'a demandé. T'as ma préférée. Sinon, GG pour les 500, merci. Bonne chance, continue. Voilà, j'ai répondu. Ah non, j'ai pas répondu. Donc, ma préférée, bah, j'ai pas non plus de map préférée. J'aime toutes les maps. J'aime beaucoup jouer. Enfin, en fait, je vais plutôt vous dire les maps que j'aime pas. Parce que sinon, il y en a vraiment plein que j'aime bien. Donc, bah, c'est peut-être. Il y en a peut-être plein qui aiment bien CTF tout fort, mais moi, je n'aime pas CTF tout fort. Voilà, je n'y joue jamais, j'aime pas. Ensuite, bah, le truc. Après, PLR, c'est-à-dire course à la charge utile, enfin, quand il y a deux chariots à pousser. Ça, bof, quoi, j'aime bien que Hightower pour jouer Trollder, voilà, c'est tout. Sinon, je raffole pas non plus de ce mode de jeu. Ensuite. Attaque-défense. Attaque défense, ça va, mais en fait, il joue pas souvent. Je sais pas pourquoi. Je préfère. Parce que je préfère, je trouve que c'est mieux. Point de contrôle. Voilà. Donc, du coup, je joue pas souvent attaque défense, alors que c'est bien. Voilà, c'est classique et tout. Puis voilà. Il faudrait qu'il joue plus souvent d'ailleurs. Alors. Hop, attends, j'ai enlevé un peu en allant les trucs parce que. Aimes-tu les crêpes cornichon chocolat? Cornichon Nutella, excuse-moi, c'est une nuance. Premier commentaire, what the fuck? Bah, ma réponse est what the fuck. Non, je non, mais les crêpes. Crêpes Nutella cornichon, bon. J'aime bien, mais sans plus, hein? Alors, Dylan D, plutôt film d'amour ou d'action? Déjà, première partie de la question, bah. Plutôt action. Enfin, de toute façon, dans les films d'action, en général, il y a aussi de l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien Game of Thrones. Lol. Et surtout, après, est-ce que tu baies? B, te baigne! Non. Snowing. Que penses-tu de TF2? Bah, j'aime pas. Alors, pour quelle raison n'es-tu pas intéressé par la compétition sur TF2? Voilà, et bravo pour les 500. Bah,
Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas le temps. Voilà. Je voudrais bien genre essayer. Enfin, j'ai déjà fait des lobbies, quelques lobbies. Je trouve ça sympa et tout. C'est pas la même ambiance, évidemment. C'est plus compétitif. C'est un peu le but. Non, mais je veux dire, on joue plus sérieusement et tout. Puis on joue même. Enfin, voilà. C'est plus skillé, quoi. Il y a plus de technique et tout. C'est pas du tout la même façon de jouer. Et j'aimerais bien, mais bon, il faut avoir du temps libre et. Et quand notre team aura des compétitions, on ne peut pas se permettre de. Enfin, je pense, moi, de refuser tout le temps. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de compétition. Et puis parce que j'ai plus le temps aussi. Continueras-tu la série sur les armes de noob? Bah oui, je viens de la commencer. Enfin, évidemment, comme je fais moins de vidéos. Ouais, mais voilà. Bon, je me dépêche un peu parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Coucou, je voudrais savoir si tu pourrais nous montrer un petit gameplay ou tuto de spy pour assassiner un mec facilement et continuer comme ça tu gères. Ok, bah merci déjà à toi, hein, Cube, oui. Et pour ce qui est du spy, bah ouais, j'ai une idée, bah, j'ai une petite idée, c'est que la prochaine vidéo détente que je ferai, enfin c'est-à-dire comme j'avais fait une fois avec le Demoman, bah je la ferai comme ça avec le spy, voilà. Mon plat préféré. Bah les crêpes Nutella cornichon. RJTF. Je pose une question. Oui. Alors ensuite là j'ai trois questions hein, qui vont s'afficher direct. Alors quand est-ce que j'ai découvert TF2? Bah il y a 3 ans. C'est un copain qui me l'a fait découvrir. Et j'ai vite pris goût et voilà, j'ai adoré. Je le remercie à lui, sinon j'aurais pas connu ce jeu que j'affectionne particulièrement. Voilà, alors quand est-ce que j'ai commencé à jouer? Donc là une question qui rejoint, donc pour TF2 je viens d'y répondre, c'est pour ça que je l'ai mis ensemble d'ailleurs. Sinon, quand est-ce que j'ai commencé à jouer, je veux dire pas à TF2 mais à jouer à un jeu vidéo, bah je sais pas la date exacte. Quand j'étais petit, je jouais des jeux, voilà, même quand je jouais à la Game Boy, déjà j'ai 2 Game Boy Color. J'avais un jeu Astérix dessus. Et Mario. Et je l'avais eu, je sais plus comment déjà, enfin j'en avais deux. J'en avais une à la Red Ring, je m'en souviens. Red Ring, enfin oui, Red Ring, désolé, je vais traduire, c'est un mot de un peu picard, hein, ce qui veut dire. Bah, en fait, je sais même pas le mot vraiment français. Attendez, brocante, voilà, brocante, excusez-moi. Ensuite, est-ce que j'en ai marre de TF2? Bon, en fait, non. Parce que je trouve que TF2, sérieusement, c'est un jeu qu'on se lasse pas trop. Enfin, ça m'est déjà arrivé de jouer un peu plus à autre chose, tu vois, mais je joue toujours quand même un peu à TF2 en général. J'y reviens toujours. Voilà pour ces questions. Alors, T-Rex Dutcherman. Connais-tu la position du panda? Ah, oh tiens, je vais aller voir. Position du panda. Non, non, je connais pas, non. Non, non, franchement, ça me dit rien. Je sais pas. Alors, si vous êtes arrivé à ce point-là de la vidéo, c'est-à-dire que vous l'avez regardé pour l'instant jusqu'au début? Logique, enfin sinon vous verriez pas ça. Enfin bref, voilà, je m'en mêle. Bon, et justement, je me suis arrangé pour mettre cette question-là vers la fin pour voir qui est-ce qui va tenir le coup de m'écouter et de voir ma tête. La question de Nest Prime, vas-tu faire une rafle d'items pour tes abos? Bah ouais, je vais en faire une là tout de suite maintenant. C'est-à-dire que je vais faire gagner un chapeau, enfin un item. En fait, je sais même pas encore lequel. Quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, ouais, tiens, ça va m'excuser un peu de mon absence. Allez, tenez, cet objet pour vous. Non, là, non, là. Enfin, je sais pas. Bref, bon, cet objet pour vous et c'est totalement gratuit. Hein. Vous cliquez juste dans le lien de la description et vous cliquez sur entrer dans la rafle. Voilà. Donc, ça sera bien sûr privé. Hein. Ça sera que pour vous, mes abonnés. Enfin, à part si vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi cliquer. Vous avez le droit et vous pouvez aussi vous abonner. Bref. Donc, enfin, bien sûr, il faut s'identifier avec Steam. Enfin, c'est en haut à droite du truc. Enfin, voilà. Vous vous identifiez et vous cliquez juste sur Entrée. Voilà. Et vous aurez une chance sur tous les autres de gagner cet objet. Enfin, je sais pas si j'en mettrai deux ou pas. Voilà. Bref. J'espère que ça va vous plaire quand même. Ça sera un chapeau ou un missile. De toute façon, donc ça va pas être une arme random. Hein. Ça
Ça qui était pas bon pour certains, c'est pas grand chose, mais voilà. Mais ça me fait plaisir. Bon. Alors, Matix, tu recordes avec Fraps ou le logiciel de record intégré à ATF? Bah, en fait, je change régulièrement. En fait, j'essaye un peu tout. Je suis pas encore fixé à ça. Je record avec Fraps. Sinon, j'utilise aussi le logiciel intégré à ATF2. Hein, après, voilà, j'utilise aussi d'autres logiciels, Myriad Faction, Cam Studio, DXStory, enfin voilà, j'ai tout ça d'installer hein, et j'essaie juste voilà, de trouver le bon, le meilleur. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de la différence. En tout cas, voilà. Alors ensuite, petit commentaire de NoidFR. Bonjour à toi. Alors, GG, quelle est la vidéo que tu préfères parmi les tiennes? Je sais pas, j'hésite. La vidéo où je me suis fait totalement éclater par toi? Ou l'autre vidéo avec toi où je me suis aussi totalement fait éclater? Alors, j'hésite. Non, mais plus sérieusement, dans toutes mes vidéos, je sais pas laquelle je préfère. J'aime bien les minutes astuces. Cette série-là, parce que voilà. Par exemple, celle où poser une fausse sentry et tout ça, parce que déjà, ils plaisent beaucoup. Il y a plus de 1000 vues. Toutes mes vidéos Minute Astuce, ils ont plus de 1000 vues, déjà. Donc ça veut dire que c'est une série qui plaît, hein. Enfin, je pense. Donc j'aime bien aussi, puis j'aime bien les faire. Voilà. Faut juste que je trouve des idées, mais sinon, ça va. En tout cas, j'aime pas mes premières vidéos, parce qu'évidemment, c'est de la merde. Voilà. Merci à toi, NoidFR. Un commentaire très. Bien. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions dans les commentaires pour mon HUD. Hein. J'y ai répondu. Mon HUD se trouve dans la description. Hein. Je ferai sûrement même une vidéo pour dire comment installer des HUD vu qu'on me demande tout le temps. Voilà, c'est le EVE HUD. Il est dans la description. Vous pouvez le télécharger sur Game Banana. Voilà, c'est tout simple à installer. Je vous ferai, je sais pas. Je crois que je vous ferai carrément une vidéo pour vous expliquer les skins et tout. Voilà. Voilà. Ensuite, question de l'Euro Victor. Je t'adore? Ouais, je sais! Merci à vous tous! 500 abonnés! 600! Bon, bref, je m'emballe un peu, mais sinon, c'est vraiment super, voilà. Sinon, j'ai eu plusieurs questions. Alors, Monsieur Darklighter38, joues-tu à d'autres jeux? Ainsi que. Une personne qui m'avait demandé ça, oui, Zeiser, un top 3 de tes jeux préférés. Donc, déjà, mon jeu préféré est Team Fortress 2. Ensuite, est-ce que je joue à d'autres jeux? Oui, je joue à pas mal d'autres jeux, franchement. Attendez, je vais regarder un peu, je me souviens déjà plus. Non, genre, si je m'en souviens, je joue à LoL hein, de temps en temps. Je suis pas au niveau du tout. Hein. Enfin, en fait, j'ai plein de jeux sur Steam. Vous pouvez voir mes jeux sur Steam déjà. Il y en a que j'ai joué pas mal. Genre, il y a dans les grandes vacances, j'ai joué pas mal à The Mighty Quest for Epic Loot. Enfin, je joue à plein de trucs, vraiment, voilà. Aussi bien, je ne suis pas difficile, aussi bien des jeux solo que multi, des petits jeux que des gros jeux. Voilà, il y a vraiment plein de jeux que j'ai bien aimé. Je peux pas tous vous les dire là. Et si je ferais une vidéo sur des vidéos sur d'autres jeux, je les mettrais sur une chaîne la chaîne de ma team, en fait, de ma team d'amis, qui est la Xenoteam. Ici. Tadam! Voilà. Donc c'est là-dessus que je ferai des vidéos. J'avais commencé un let's play sur Portal 2 d'ailleurs. Hein, puis bon. Voilà. Donc cette chaîne-là. Il y a. Pour l'instant, c'est beaucoup de let's play. Il y a pas mal de let's play de jeux variés. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Franchement. Voilà. Parce que c'est mes potos. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Hein, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Hein, et bah, je vous dis à la prochaine. Hein, et maintenant, vous savez tout sur moi. C'est Piggle. Allez, salut à tous. Ciao, ciao!